est debout quand elle dort, quand ses rêves sont cléments. Elle danse et tourbillonne, 360 toupies, une y fonctionne, mais ne marche pas vraiment. Elle se réveille et sonne pour qu'on la sorte du lit. Sully a un rapport au monde particulier, comme tous, bien sûr. Sully, sauf qu'elle, ça se voit plus. Car elle vit son fauteuil comme je vis mes chaussures. C'est ainsi depuis qu'elle est née, en elle l'histoire obscure. Elle vit sa famille comme je vis mes jambes. Ses proches se font membres, pour eux aussi l'histoire est grande. Elle vit son courage comme je vis la routine. Chaque maître est un défi et chaque crevasse assassine. Elle vit son passé comme je vis le hasard. Mis à part les graines de l'espoir. Mis à part les graines de l'espoir. Sully. Et même surpasse son insouplesse. Bien et puis sûr. Ça signe à se développer bien au-delà de ce qu'ils promettent. Le il, c'est chacun de nous quand on croit que c'est pas possible. Mais pour elle, c'est question de vie, ça marchera quoi qu'il arrive. Alors elle tend des fils de rêve sur lequel pendent ses objectifs. Voyager, changer son monde sont les grandes lignes du pendentif. Elle aussi a son droit de vivre, elle ne se l'enlève pas, bien sûr que non. Son sourire au visage en dit long sur sa force et sur ses bases. Elle est rayonnante, Sully retour gagnante. Sully devient l'exemple que tout reste possible. Sully le symbole d'une nouvelle ère ici, d'un humain devenu libre. Sully, il n'est pas trop tard pour les graines de l'espoir. Les graines poussent vite et chaque instant est développement. À ceux qui disent que la vie c'est mort, c'est dur. Elle dit écoute bien car la magie est dans le murmure. Et plus pas de stress. Sully au bout des choses et c'est plus la même histoire. Quand t'es au bout des choses, Sully le sait bien. Vainqueur sur ses obstacles, c'est une nouvelle elle-même qui se présente au contact du monde des vivants. Sully vit son pouvoir. Heureux beaucoup d'enfants, ça c'est une autre histoire. Pour l'instant, elle vit à force de volonté, et puis valide ou pas, c'est dans le cœur la liberté. Et à ceux qui disent que la vie c'est dur, c'est mort. Elle transmet sans parler les leçons de son corps, car pour l'instant, elle vit à force de volonté, et puis valide ou pas, elle le sait, c'est dans le cœur la liberté.